Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Pierre-Cyril O'Cœur. Je suis professeur à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'école d'économie de Paris. Et je suis heureux de vous accueillir à cette session qui est parrainée par l'école d'économie de Paris, une des grandes institutions d'enseignement et de recherche en économie en France et qui a souhaité s'associer à ce thème de guerre et paix du printemps de l'économie sur un thème qui n'est pas si commun chez les économistes, qui est de parler de la guerre, pas de la guerre au sens métaphorique, comme on l'a vu beaucoup dans d'autres sessions de ce printemps de l'économie, guerre commerciale, guerre de change, guerre de régulation, ou tout ce qu'on veut, mais la guerre, la vraie, celle qui fait des morts et des morts directes. Euh, pour euh, parler de la guerre dans la diversité de ses formes et dans l'ensemble de ses causes, de ses impacts, ou sinon dans l'ensemble, du moins dans un certain nombre d'exemples destinés à faire réfléchir sur euh, ces sujets, euh, nous avons plusieurs intervenants euh, ayant euh, comme caractéristique commune de s'être intéressés à ce sujet. Euh, et. Euh, mais je voudrais d'abord remercier Ancelia Didier d'être ici. C'est elle qui, au sein de l'école d'économie de, de Paris, a conçu cette session et a contacté notamment les intervenants qui sont ici. Donc merci Anne pour nous tous. Parmi ces intervenants, non, je cite d'abord John Crowley, qui est chef de la section recherche politique et prospective du secteur des sciences humaines et sociales à l'UNESCO à Paris. Ensuite, François Libois qui est chargé de recherche à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture et l'environnement. Heureusement, c'est marqué avec le nouveau nom devant moi parce que j'aurais encore attribué l'agronomie au A de l'INRAE. Et enfin, Olivier Van Den Eden, qui est chargé de recherche au CNRS. Nous allons donc parler de la guerre. La guerre, c'est un sujet compliqué pour les économistes parce que nous aimons beaucoup travailler avec des statistiques sur différentes variables économiques. Et une des caractéristiques des guerres, c'est que souvent, eh bien, la production de statistiques elle-même, elle est affectée par la guerre. Et quand un pays est envahi, quand un pays est partagé, évidemment, la capacité à observer ce qui s'y passe est rendue beaucoup plus compliquée. Euh, ce qui fait que quand on fait euh, euh, des études économiques, quelquefois on a simplement des blancs pour les périodes de guerre. Quand, euh, moi je fais de l'histoire économique, euh, quelques, très souvent on étudie le 19e siècle jusqu'à 1914 et le 20e siècle à partir de 1919. Et entre les deux, ben, on ne sait pas très bien ce qui se passe, sauf les spécialistes de la guerre qui ne parlent que de la guerre mais qui ne disent plus rien sur ce qui s'est passé avant et qui a pu causer la guerre, ou ce qui s'est passé après et qui est pourtant en partie un résultat de la guerre. Euh, de sorte qu'on a tendance à oublier la manière dont la guerre va transformer profondément les sociétés et les économies, euh, avec des effets qui sont quelquefois à très court terme. Évidemment, il y a des morts, donc il y a des salariés en moins, il y a euh, des euh, destructions, donc il y a des infrastructures ou des usines en moins, il y a toutes sortes de choses qui sont immédiatement visibles, mais il y a aussi des effets beaucoup plus long terme qu'on repère moins facilement dans la structure démographique, dans les comportements des gens, et ça, c'est plus difficile, et donc il faut euh, des analyses. Euh, très approfondi, qui essaie de récupérer les données qu'ils peuvent avoir. Et une des caractéristiques des dernières décennies, c'est que on a, on a eu la capacité à retrouver euh, des informations beaucoup plus détaillées, des informations individuelles souvent, qui permettent de raconter ces histoires de guerre autrement que ce qu'on faisait autrefois en ayant simplement des grandes statistiques macroéconomiques. De sorte que je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des recherches en économie qui permettent de dire des choses sur les guerres qu'on ne disait pas autrefois, et c'est une des choses qu'on veut essayer de vous montrer aujourd'hui. Et je crois que François Libois vous a préparé déjà un petit assortiment de ces choses nouvelles qu'on dit aujourd'hui en économie sur les guerres. François. Oui, bon, merci beaucoup euh, Pierre-Cyril pour l'introduction, puis euh, merci euh, à, à tous pour l'invitation, et particulièrement à Ancelia, et puis merci à vous d'être là. Euh, donc j'ai envie d'apporter un éclairage sur, euh, sur la guerre. Euh, et, et évidemment, euh, quand, on, quand on parle de la guerre comme économiste, la première chose qu'on dit, c'est que la guerre euh, est mauvaise. On sait qu'en moyenne, elle est destructrice, on sait qu'elle tue des êtres humains, elle les blesse, elle affecte les survivants pendant parfois même longtemps euh, après les conflits, et y compris si ces euh, survivants ne sont plus sur les théâtres de guerre. Euh, alors, on trouve des effets euh, négatifs sur la santé. Alors, moi, j'ai plutôt travaillé sur le Népal, donc euh, je vais. Revenir régulièrement avec des exemples sur le Népal, mais il y a, il y a ce genre d'évidence sur d'autres guerres aussi. Sur la santé, c'est évidemment les gens qui sont blessés, mais ça peut parfois être aussi des effets sur la santé des personnes qui n'existent pas encore, parce que simplement les enfants in utero euh, subissent le stress de la guerre et on va avoir des effets notamment sur le fait qu'il y a plus de garçons qui vont mourir in utero, il y aura plus de filles qui, me... qui naissent pardon, euh, simplement à cause du stress subi par les mères pendant la guerre. Euh, on va aussi observer une augmentation des comportements violents, euh, fatalement pendant la guerre, ça, ça paraît assez évident, mais aussi en temps de paix après la guerre et y, y compris en dehors euh, des pays en guerre. Euh, par exemple, des demandeurs d'asile qui viennent de zones euh, en, euh, conflictuelles en Suisse euh, vont, euh, être, vont commettre plus de, de délits en fait, que des demandeurs d'asile qui viennent de zones qui n'ont pas été affectées par la guerre. Euh, en football, les joueurs qui ont, euh, qui ont subi la guerre euh, de relativement près vont avoir plus de cartons jaunes, plus de cartons rouges par exemple. Alors on trouve aussi des effets négatifs sur l'éducation, bien sûr, qui peut avoir des effets à très long terme puisqu'il y a des gens qui ne pourront pas aller à l'école pendant un certain temps. Ça, c'est les effets sur les personnes qu'on peut trouver. On trouve évidemment de, énormément d'effets sur les capacités productives. Ouais. Une réduction de la force de travail, bah parce qu'il y a des morts déjà, des blessés. Il y a une destruction de bâtiments, quelque chose qu'on comprend très bien. Euh, et puis des destructions qui vont être généralement plus importantes dans les zones rurales. Évidemment, il y a quelques conflits, comme par exemple la Syrie. Où on a aussi des villes qui sont détruites, mais les zones rurales vont particulièrement être affectées, notamment si vous avez des mines antipersonnelles qui sont réparties dans les champs, par exemple. Euh, et donc là, on va avoir des effets à très long terme, par exemple. Euh, Évidemment, on fait de plus en plus attention aux questions environnementales et la guerre, ça pollue. On peut penser à l'agent orange au Vietnam, ça réduit les populations animales, par exemple celles de manchots de Manchot royaux pardon, sur les îles des Malouines et c'est des effets qu'on trouve pendant relativement longtemps par la suite. Euh, mais si les guerres ont en moyenne des effets négatifs elles peuvent aussi avoir des effets très contrastés à l'intérieur des populations touchées tout le monde ne perd pas de la même manière certaines guerres en fait vont, vont détruire déjà davantage le capital humain elles vont tuer des gens réduire l'éducation mais d'autres guerres vont plus affecter le capital physique vont plutôt détruire des bâtiments, des ponts, des, des routes. Euh, et ça, ça va avoir des effets euh, qu'il qu est important de comprendre, parce que ces effets vont être assez différents, et vont comprendre ces différences vont nous permettre d'éclairer les trajectoires de sortie de conflit. Elles vont nous permettre aussi de mettre en œuvre des euh, politiques qui sont adaptées lors du, re lors du retour de la paix. Euh, alors, la première chose à se poser, c'est à la base, avant le conflit, quel type d'économie a-t-on en face de nous on peut avoir des économies qui sont intensives en travail, beaucoup de monde, et avec assez peu de capital, plutôt des économies agricoles, ou des économies intensives en capital. On va plutôt penser aux pays occidentaux, notamment où il y a énormément d'usines, énormément de capacités productives. Et sur cette base, sur cette, sur cette base économique, on a différents types de conflits. On a des conflits qui vont détruire plus de capital, et d'autres qui vont détruire relativement plus de travail. Alors Ici, je vais plutôt me concentrer sur une économie type abondant d'un travail avec assez peu de capital. Pourquoi est-ce que je fais ça Parce que la majeure partie des, des conflits se déroule plutôt dans ce genre de contexte. Euh, alors, sur cette base d'une économie avec beaucoup de travail et peu de capital, on peut soit avoir une destruction relativement plus importante de capital physique, soit une destruction plus importante de capital humain et en fait si on a une destruction plus importante de capital physique par exemple le bétail est tué les terres sont inutilisables parce qu'il y a des mines antipersonnel dedans on va plutôt observer à la sortie un déclin économique une augmentation de la pauvreté et une croissance à moyen et long terme qui sera en berne. a côté de ça si vous avez une mortalité élevée des grosses destructions du capital humain peu de destruction du capital physique en général, on va observer une redistribution de la richesse, potentiellement des plus riches vers les plus pauvres. Et c'est des contextes aussi où on va observer une croissance parce qu'il y a peu de personnes, il y a beaucoup de capital disponible, et donc le rendement, entre guillemets, du travail va être assez élevé dans ces économies. Et on va pouvoir observer, pas toujours, mais généralement, une diminution de la pauvreté et des inégalités. Alors après, évidemment, il faut se demander si ces effets sont durables. Est-ce qu est que... On revient au niveau avant la guerre. Est-ce qu'on va être à un niveau de développement supérieur à ce qu'on observait avant la guerre ou est-ce qu'en fait, on va se retrouver dans un entre-deux euh, Et en fait, poser cette question, c'est se demander est-ce qu'on peut tomber dans un cercle vicieux de la guerre Par exemple, en Afghanistan, euh, l'Inteco auteur montre que la guerre détruit des routes, détruit de l'infrastructure et notamment l'infrastructure de stockage du grain. Une fois qu'elle est détruite, la seule manière pour les ménages de continuer à, euh, à avoir un revenu, c'est de se convertir vers la production d'opium. Et on voit bien que là, potentiellement, on a une économie qui va changer euh, drastiquement de fonctionnement, qui va plutôt se tourner en partie en tout cas vers de l'économie euh, parallèle, et ça peut euh, re, enfin, accentuer le cercle vicieux de la guerre. On a aussi un contexte comme le contexte rwandais, où on a une surpopulation, une très forte pression sur la Terre. Et où la guerre va tuer énormément de monde, va libérer de la terre pour les survivants. Évidemment, eux vont pouvoir avoir, euh, enfin leur pauvreté sera réduite. C'est un peu mécanique vu qu'il y a des gens qui, qui ont été tués. Et euh, dans ce cadre-là, euh, on va avoir une croissance. Mais en fait, cette croissance, elle peut de toute façon être à nouveau stoppée par le fait qu'à un moment, la population va de nouveau être en surpopulation. Euh, il va y avoir une pression trop forte sur la terre et on va retomber dans un cycle de conflit. C'est un peu le piège Malthusien. Et puis parfois, euh, la guerre peut être accompagnée de changements systémiques. Alors je reviens sur le Népal. Bah C'est une guerre qui a amené une refédéralisation du pays, qui a amené de la migration. Et ça peut aussi possiblement aider le pays à se développer. Euh, voilà. Alors là, je parlais un peu des économies. À l'intérieur des économies, il y a des individus. Et évidemment, entre les individus, il y a des trajectoires qui vont pouvoir varier fortement. Si le pays est coupé de l'extérieur et a notamment des problèmes d'approvisionnement de nourriture, on va observer une croissance agricole à court terme. Il y a des gens qui vont travailler plus dans l'agriculture, qui vont avoir des revenus plus importants à court terme. Mais ces bénéfices à court terme peuvent en fait disparaître à moyen terme parce que sur le Népal, par exemple, on observe qu'au moment de la réouverture du pays, le, les prix agricoles chutent et en fait, les bénéfices qui ont été récupérés à court terme, à la limite, se transforment en pertes parce qu'il y, y a eu une hyper spécialisation dans l'agriculture, alors que ceux qui ont migré parce qu'ils avaient peur de rester sur place se retrouvent sur des trajectoires très différentes et bénéficient de l'ouverture nouvelle du pays. Euh, alors, la question évidemment que se posent les économistes après, c'est au vu de ces dégâts, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme politique publique euh, pendant les conflits et après les conflits alors pendant les conflits c'est difficile de ne pas parler de l'aide alimentaire notamment au vu du récent euh, prix Nobel de la paix euh, reçu par le programme alimentaire mondial il est évident quand il y a un conflit il y a des risques de, de, de faim pour les personnes qui sont euh, dans les théâtres de guerre et que les aider est important alors c'est pas nécessairement évident parce qu'amener énormément d'aide alimentaire ça peut aussi tuer complètement une économie agricole parce que les producteurs qui euh, vendaient leurs biens sur le marché, se retrouvent finalement à vendre leur production locale à des prix beaucoup plus élevés que l'aide alimentaire qui arrive gratuitement. Et ça, c'est des erreurs qui ont été commises. Euh, en général, les programmes d'aide ont appris de ces leçons, notamment sur base de travaux académiques. Et maintenant, ils vont plutôt avoir tendance à également racheter les productions locales pour être sûrs que euh, les agriculteurs locaux continuent à travailler leurs terres et, et puissent les mettre en culture dans les années qui suivent la guerre de telle manière à éviter des cycles de famine, notamment une fois que l'aide humanitaire s'en va. Alors l'aide humanitaire, c'est quelque chose que je pourrais détailler beaucoup plus, mais c'est pas nécessairement facile, notamment parce qu'il y a plein de questions de coordination des organisations non gouvernementales et il y a pas mal de chercheurs notamment à PSE qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre comment les ONG peuvent se faire concurrence ou s'aider. Alors ça c'est pendant les conflits, évidemment après les conflits, il faut penser à reconstruire. Évidemment, en Europe, on pense tout de suite au plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a aussi toutes les questions de reconstitution du capital humain. Et, euh, et, et ça, ça peut passer par exemple par des programmes de scolarisation, notamment des enfants soldats, mais pas que. Il y a, il y a plein d'autres personnes qui ont subi la guerre et qu'il va falloir rescolariser. Euh, dans les, dans les autres politiques publiques qu'on peut, qu peut évaluer, il y a des politiques publiques qui vont chercher à réduire les inégalités, parfois à réformer les institutions en donnant plus de pouvoir aux minorités, en ayant soit des systèmes plus démocratiques, soit des systèmes passés d'un système majoritaire à un système proportionnel qui permet aux minorités de davantage s'exprimer. Euh, et puis il y a toute la question de construire une nation après un conflit. Et là, il y a des économistes qui ont par exemple essayé de regarder le rôle des équipes nationales en football, notamment en Afrique subsaharienne, et de montrer que leurs victoires avaient tendance à réduire les expressions conflictuelles parce que les pays se sentaient plus soudés après des victoires. Et évidemment le Gérer les conflits, c'est une chose, mais on a envie aussi d'en de, prévenir l'émergence. Et là, il y a plein de politiques publiques auxquelles on peut penser. penser. Galéa, par exemple, euh, va euh, montrer que réduire les exportations d'armes, ça fonctionne. Euh, Berman et il ils parlent du secteur minier, et ils disent que ben, le secteur minier, s'il est plus transparent, a tendance à réduire les conflits à proximité des mines. On peut aussi penser à mieux gérer les ressources naturelles euh, et par exemple à éviter euh, trop de surpêche. La, les mauvaises conditions de pêche, elles ont tendance à générer de la piraterie. Et puis j'accélère parce que je vois que Pierre Cyril me dit que je dépasse un peu mon temps, mais je termine quand même avec quelques autres politiques. On peut penser à réduire la concentration des ressources naturelles, essayer d'avoir plusieurs endroits où la richesse est produite dans un pays. Le changement des structures institutionnelles, par exemple, SEN discute du fait que les démocraties ont tendance à avoir nettement moins de famines structurellement. Il y a des programmes sociaux qu'on peut mettre en place pour éviter que des chocs, notamment de revenus, n'amènent des gens vers des situations où ils, enfin, de conflit. On peut mettre en place des systèmes d'éducation qui vont créer entre guillemets, une, un sentiment un peu national, qui vont faire dépasser les barrières religieuses. C'est notamment ce que certains auteurs ont montré sur l'Indonésie. Et puis, il y a clairement une des politiques importantes, et pour ceux qui étaient dans la session précédente, ça va faire un lien de lutte contre le changement climatique, puisqu'il y a énormément de conflits, ou en tout cas, le, le réchauffement climatique a tendance à augmenter les conflits pour énormément de raisons. Puis je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, on reviendra sur certains points. Mais euh, j'ai. Mes collègues ont des choses très intéressantes à raconter également. merci beaucoup, François, pour ce survol très très large d'un grand nombre de questions. Mais peut-être qu'effectivement, tu nous donneras un exemple de quelque chose de plus précis dans les questions. Bon, j'ai oublié de signaler, j'aurais dû le faire d'emblée, qu'il euh, y a la possibilité pour euh, l'auditoire de poser des questions sur. Euh, le chat sur YouTube, sur la page live du site Printemps de l'économie et sur Twitter, hashtag Printemps l'écho. Donc, si vous envoyez des questions, on espère pouvoir les poser à nos intervenants. Euh, je passe la parole à Olivier Van et puis euh, on verra dans les questions ensuite, éventuellement si tu reviens là-dessus. Avant euh tu as eu une première question dès maintenant. C'est le, le responsable de, de, de session qui décide. Euh, alors, première question, comment abordez-vous la question des réformes du secteur de la sécurité mise en œuvre Alors, de quelle sécurité De la sécurité sociale De la sécurité... Euh, la guerre, il y a des questions de sécurité euh, tout court. Euh, mais je sais pas si Alors, ça... Sur les questions de sécurité en elle-même, je pense que Oliver sera plus pertinent que moi. Après, sur les questions, euh, une, un des points que j'abordais un petit peu, c'est les, bah, les des programmes de sécurité sociale, quelque part, qui vont donner un revenu, euh, notamment quand, euh, dans les pays agricoles, notamment quand il y a des mauvaises récoltes. Et euh, il y a des, des, des preuves scientifiques assez claires qui montrent que quand on met en place des programmes sociaux, notamment en Inde, et qu'il y a euh, des, mauvaises années, enfin, des mauvaises années dans l'agriculture, on va avoir nettement moins de conflits par la suite, de conflits violents. Et donc, ça, c'est typiquement lié au fait que bah, les gens, même si, euh, enfin les, les, les citoyens indiens en l'occurrence, s'ils ont leur, euh, leur revenu agricole qui est en baisse, ils peuvent faire appel à ces services, enfin à ces programmes de sécurité sociale et, euh, et récupérer un revenu. Donc, euh, ils ne prennent pas les armes en fait. Voilà, merci à vous. Pas complètement la question, mais ouais. Non, mais merci. Euh, je pense que pour, le, pour notre auditoire. Euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans tout ce que vient de, de dire euh, François, euh, derrière chaque euh, phrase, pratiquement, euh, il y a un travail scientifique qui implique euh, euh, l'étude détaillée d'un certain nombre d'exemples ou la comparaison d'un certain nombre de cas sur euh, une question très précise, c'est-à-dire est-ce que réduire les exportations d'armes a un impact sur euh, la conflictualité euh, ça va donner lieu à un vrai travail qui normalement doit déboucher sur une réponse euh, qui permet ensuite de prendre les bonnes politiques. Euh, donc évidemment, il nous a fait un survol très très large. Euh, je pense que maintenant, pour contraster et vous donner non plus euh, une vision large mais euh, une focalisation plus précise, euh, Oliver va vous montrer comment on fait sur un sujet plus précis. Oui, tout, tout à fait. Euh... Mes slides ne sont pas encore arrivés. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour, euh, pour le public. Oui, je vais juste, euh, juste euh, pour, euh, comme, comme introduction, comme, comme, comme Pierre-Cyril l'a dit, euh, mon intervention sera plutôt complémentaire euh, à celle de, de François. Je pense que François a très bien... Euh, introduit d'une certaine façon les grands changements qui interviennent dans, dans, dans des pays en guerre. Euh, moi, je vais, je vais me concentrer plus sur un développement euh, méthodologique euh, qui, 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 qui est en train de se produire dans l'étude des de, de, de guerres, euh, comme dans l'économie en général. Euh, il y a un terme en anglais, euh, big data, euh, qui, qui décrit ces changements, et je m'excuse, je n'ai pas trouvé... Le, 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 le même terme en, en français pour, pour décrire cette, cette approche. Mais donc, dans, dans, dans l'analyse empirique de la guerre, on peut vraiment dire qu'il y, qu y a eu une révolution dans, dans les dernières années. Et, et donc, je veux juste mettre en lumière cette, cette, ce, ce, ce développement dans, dans, dans mon intervention. Donc, comme François a déjà très bien expliquer, les, les, les guerres sont, sont clairement un phénomène euh, qui, qui est pertinent pour, pour les économistes, parce qu'elles nuisent au, au développement économique euh, comme au développement humain dans, dans, dans les pays concernés et aussi dans les pays qui sont impliqués d'une autre façon. Donc on, on pense notamment euh, aux, aux pays comme la France qui, qui, qui sont actifs dans des, des, des missions militaires euh, à l'étranger. Ces pays, ils, ils portent aussi un coût important euh, budgétaire et humain. Euh, Liés à leur, leur, leurs interventions dans, dans les zones de guerre. Euh, et, et pour, pour, pour ces, ces raisons, c'est clair qu'il euh, y a des répercussions économiques de la guerre et il est pertinent pour les économistes de, de, de les étudier. Euh, et et l'économie comme, comme discipline peut apporter beaucoup à l'étude empirique de la guerre, d'abord parce que on a quand même une expertise dans la modélisation du comportement humain. En général, pour comprendre le, le, le comportement des, des, des consommateurs, des producteurs, et on peut essayer d'utiliser de, 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 ces outils pour comprendre les, les interactions et les intérêts des acteurs qui, qui sont engagés dans, dans le conflit. C'est clair que euh, c est, c est, le, le contexte sera très différent là du, du contexte euh, économique classique d'un marché où on vend et on achète des, des, des biens, mais il y a de il y a dans, dans l'approche méthodologique, il y a quand même des, 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 des similarités, euh, surtout pour euh, l'économie du, 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 du jeu, euh, qui, qui, est, qui est spécifiquement développée pour comprendre les interactions stratégiques entre des, des, des individus. C'est clair que, que, que dans des, 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 des conditions, des contextes de guerre, ces interactions stratégiques sont très importantes. En plus, euh, sur le, le côté empirique. Euh, on a en économie développé des outils statistiques, ce qu'on appelle souvent l'économétrie, euh, effectivement pour analyser des, des, des données euh, détaillées et pour, comme, comme Pierre, Pierre Cyril l'a déjà introduit, pour, pour pouvoir tester des, des hypothèses et, et porter des réponses précises à des questions précises euh, liés dans, 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 dans ce cas ci au au, 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 au phénomène de, 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 de la guerre euh, et, et, et on peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas étudié la la guerre avec des données détaillées comme d'autres phénomènes sociaux dans le passé et là la, la réponse est plutôt simple c'est aussi quelque chose que pierre Cyril a, a, a déjà indiqué euh, dans, dans des cas des contextes de guerre, c'est souvent très difficile d'avoir un accès aux données, euh, même si, euh, en même temps, euh, la plupart des, des, des forces militaires recueillent en fait des, des, des informations très détaillées. Mais là, le problème, c'est que ces données, en général, sont secrètes euh, et, et ça, ça limite vraiment la capacité des économistes d'étudier ces phénomènes. Euh, un autre frein un peu au, 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 au ce développement, c'est un peu plus institutionnel, mais c'est que... Euh, L'analyse statistique des guerres est, est, est parfois controversée parce qu'il y a une tradition qui est plutôt qualitative, qui n'utilise pas des outils statistiques pour comprendre les guerres. Les experts des guerres traditionnelles sont plutôt des gens qui construisent une connaissance du contexte et de l'histoire qui est très détaillée sans forcément essayer de faire des analyses statistiques. Et c'est clair que ces approches ont toutes leurs valeurs. Euh, pour comprendre les le, le, le phénomènes de guerre. Mais ce que je veux, veux, veux proposer, c'est que en fait, l'analyse statistique peut, peut apporter des, 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 des aperçus complémentaires à ces approches plus, plus traditionnelles. Euh, et, et pour donner un exemple très précis, euh, en, 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 en 2016, l'armée américaine, euh, un, un peu par hasard, a, a rendu public... Euh, en fait, la, la totalité de leurs données administratives sur le, la, 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 la guerre en Afghanistan. C'était vraiment un accident parce que euh, quelqu'un avait un peu naïvement fait ce qu'on appelle euh, un, 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 un Freedom of Information Request euh, en anglais. Donc, c'est une, 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 une demande formelle d'avoir accès à ces données. Et il semble que, pour une raison qu'on ne comprend pas très bien, l'armée américaine a répondu positivement à cette demande et a, a, a rendu public des, des données hyper détaillées. Et, 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 et la, 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 le slide suivant. Euh, il, illustre euh, l'ampleur de ces données. Donc, chaque point euh, vert sur cette carte, c'est en fait un événement dans la guerre euh, d'Afghanistan, de, 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 un événement considéré significatif. Donc, ça peut être une explosion de bombe, ça peut être un échange de feu, ça, ça, ça peut être le, la... la euh, ça, ça, ça peut être la, 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 euh, le, un, un meurtre ou, ou, ou d'un euh, de, de membre de la population civile par le taliban. Donc, on a en fait, c'est en fait la, 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 la base de données euh, essentielle que, que l'OTAN et l'armée américaine utilisaient pour euh, en fait avoir euh, le, un. un, un, un un record de, 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 de ce qui se passait en, en Afghanistan. Et on a pour chaque événement une, une, une géolocalisation, une, une date précise. Donc on a ici en fait des données qui, qui sont tout à fait, qui dans leur ampleur sont aussi détaillé que les, les, les données que, que, que les économistes utilisent dans d'autres domaines, comme les, les, les achats de consommateurs individuels dans, 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 dans les magasins. Ici aussi, on, on, on a des, des données hyper précises qu'on peut utiliser pour répondre à des questions spécifiques. Dans le slide suivant, je, 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 je vais juste donner une, une exemple, un exemple d'une question. Euh, à laquelle on peut répondre avec ce type de données. Et, et c est, c est, c est, euh, ces slides sont basés sur une étude qui est apparue récemment dans, 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 dans le, the American Economic Review on, euh, sur, sur la, la, la violence électorale par les talibans. Et la question là, c'est que, pourquoi les talibans perturbent-ils les élections Um, quel est leur intérêt uh, pour, pour, pour uh, en, en fait essayer de, 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 de perturber les élections et les, 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 les graphes suivants uh, montrent un peu uh, le, 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 le détail qu'on qu qu gagne quand on utilise ce type de données. donc um, à gauche on a la distribution de la violence sur un jour normal en bleu. Euh, et on voit que, comme qu on, qu on, qu on, qu on, qu on s'y attendait, euh, on voit que c'est en milieu de, 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 de la journée qu'on a la plupart euh, des, euh, des actes de, de violence dans, dans la guerre. En droite, on compare en fait cette même distribution en bleu. Euh, qui, est, qui est maintenant en bas, avec la distribution de la violence sur euh, le, le jour du scrutin. Et on voit d'abord qu'en fait, sur les jours de scrutin, la violence est d'une échelle complètement incomparable. C'est beaucoup plus, plus, plus haut que sur un, un jour normal. En plus, on voit que la violence euh, se, se fait plus tôt dans, dans la journée. Euh, ce, qui, ce, ce qui peut s'expliquer, bien sûr, par le fait que si vraiment le Taliban essaye de perturber les élections, c'est important pour eux de faire ça avant que les gens euh, se, se rendent au, au, au bureau de vote. On peut confirmer ces, 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 ces modèles dans, dans, dans les données. Après l'étude, euh, et, et là, malheureusement, il n'y a pas de graphes qui. Qui, qui, qui résume ces, ces, ces relations. Mais, mais, mais en fait, l'étude apporte d'autres résultats très intéressants. D'abord, il montre que les, les conditions météorologiques, euh, et notamment la visibilité pendant la nuit et la vitesse du vent, contraignent la capacité du taliban de poser des bombes ou d'ouvrir le feu euh, le jour des, des scrutins. Et il utilise ces contraintes aléatoires qui sont lié au conflit donc qui, qui crée en fait une, une, une variation comme un, un peu comme, comme dans une expérience euh, euh, médicale euh, il, il, il utilise ces, 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 cette variation aléatoire pour montrer qu'en fait la violence électorale compresse la participation au vote et le fait est plutôt important il, il, il montre qu'une attaque le matin du scrutin réduit la participation au vote de, de, de 10 et il, il semble que euh, en fait cet effet de découragement est tellement important qu'elle qu aurait pu influencer les résultats des élections de, de, de 2014 donc je, je, je dirais que en fait c est, c est, c est, c est, cette étude à des conclusions très précieuses pour les pays en guerre ou pour, comme pour les pays comme, comme la France euh, en ce moment qui était en, 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 en mission, euh, en fait, ce n'était pas, pas, en, en, pas le, le cas en 2014, mais, mais avant, mais pour les pays qui, 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 qui étaient en mission militaire en Afghanistan, ce sont des conclusions très, très, très importantes parce qu'ils montrent que la violence électorale est effective. Euh, du point de vue du, du Taliban, donc ça veut dire que pour euh, les, 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 les autres acteurs dans le conflit, euh, ça, ça peut être pertinent pour eux d'essayer de prévenir et, et d'empêcher de, 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 les talibans de, 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 de lancer ce type d'attaque. C'est juste une, donc c'était donc, euh, donc, donc, juste pour donner un exemple très concret. Euh, des, des, des informations qu'on peut gagner en utilisant des données de grande ampleur comme on l'a sur, euh, sur l'Afghanistan. Euh, moi-même, je fais des recherches aussi avec cette base de données et j'ai des études en cours sur la question comment les talibans ont réagi au transfert de la responsabilité de sécurité entre l'OTAN et les forces afghanes. J'ai des projets en cours aussi sur la coopération entre les membres de l'OTAN dans chaque instance, vraiment en utilisant l'ampleur de cette base de données. En conclusion, donc, donc, ce que je veux proposer ici, c'est que, en fait, euh, euh, la, les, 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 les conflits euh, violents euh, peuvent, euh, euh, pardon, je, je, je suis un peu sur, sur la mauvaise voie, euh, mais je, je voulais juste apporter d'abord un, un petit, euh, une, une petite euh, remarque, euh, euh, c'est-à-dire que il faut bien avoir en tête que les conflits violents sont probablement plus complexes que la plupart des relations économiques. Donc, euh, je pense que c'est un peu toujours le cas dans, 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 dans une, une étude économique, mais, mais surtout sur la guerre, les conclusions sont souvent très spécifiques au, au contexte. Euh, en plus, les, même si on a euh, accès à des données tellement détaillé qu on, comme on, on l'a sur l'Afghanistan, on a toujours une image plutôt partielle de ce qui se passe, notamment on n'a pas, euh, de, de, par exemple, des données de, de détaillées sur les conditions économiques. Euh, donc on, on, on sait beaucoup sur ce qui se passe dans le conflit, on n'a pas, pas des données spécifiques pour chaque village sur la consommation, sur les conditions de vie et tout ça, donc même avec des bases de données très détaillées on a toujours une image très partielle sur ce qui se passe. Et pour toutes ces raisons, je pense que les économistes et les politologues qui utilisent ce type de données, qui font des analyses statistiques, doivent rester très, très modestes sur leurs conclusions. Malgré cette petite remarque, je pense qu'en fait, l'accès aux données et une ouverture générale aux méthodologies quantitatives peuvent contribuer. À mieux comprendre et, 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 et peut-être même gérer euh, la guerre. Et, et, et j'espère que mon intervention a, 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 a mis en lumière ce, ce, cette idée. Ah, merci beaucoup, Oliver. Euh, oui, je crois qu'effectivement, euh, une des vertus de ce genre d'approche sur des sujets. Euh, extrêmement sensible, qui soulève énormément d'émotions, comme sont les guerres, hein, plus que presque n'importe quel autre sujet, euh, c'est que ça aide à mettre à distance, à rationaliser, à réfléchir de manière un petit peu plus froide, ce qui ne veut pas dire que le chercheur ne ressente pas lui-même de l'émotion quand il étudie les choses, mais il essaye d'objectiver, de rationaliser. Pour mieux comprendre, et ce qui peut être aussi une manière de permettre aux parties d'un conflit de se comprendre et partager une analyse de ce qui s'est passé qui les a séparés. Et voilà, je, je sais que c'est un sujet, les questions de, de réconciliation et de confiance qui, qui vous importent, monsieur Creulé, donc je vous laisse la parole maintenant pour votre intervention. Merci à mes deux prédécesseurs pour des euh, interventions d'un très grand intérêt euh, qui euh, soulèvent et d'ailleurs pour partie abordent explicitement la question, ça serait quoi faire la paix euh, Et l'un des grands intérêts de vos exposés a été de montrer que cette question n'est pas univoque euh, tant les situations que nous appelons guerre sont elles-mêmes diverses. Il y a une énorme différence, par exemple, entre la situation. Euh, pré-moderne, pré-vestphalienne, comme on dirait dans la, la littérature des relations internationales, où euh, la guerre n'est qu'une autre façon de nommer euh, l'organisation euh, prédatrice de l'activité économique, euh, qui n'est même pas une exception, mais une règle de fonctionnement, dans, dans les systèmes de type féodaux, par exemple, et euh, d'autre part, euh, des formes de conflits qui émergent à l'intérieur d'un système, le système westphalien, qui était conçu pour les encadrer. Sinon, strictement pour les empêcher. Euh, les traités de Westphalie, tout le monde le sait, mais je le rappelle quand même, ou peut-être que tout le monde ne le sait pas par, parmi le public, ont mis fin euh, à la guerre de 30 ans en, dans l'actuelle Allemagne, au, au sens large du terme, en édictant le principe très simple selon lequel la religion du sujet est celle du souverain. Et en disant cela, a rendu illégitime, par un accord de tous les souverains concernés, l'ingérence au titre de la protection des minorités religieuses dans les affaires des autres États. Et en supprimant l'une des causes principales de rivalité entre souverains, a permis la structuration de ce que nous appelons aujourd'hui l'État, c'est-à-dire un territoire défini par une, une souveraineté, une autorité qui est... Euh, Absolue d'un souverain sur ce territoire. Et à l'intérieur de ce monde westphalien, il y a évidemment une différence considérable qui a été évoquée par mes prédécesseurs entre une guerre entre États et une guerre civile, par exemple. Et refaire la paix après une guerre entre États, c'est tout à fait autre chose que de rebâtir une communauté qui a été déchirée par la guerre civile. Les guerres civiles, là aussi, tout le monde le sait, ce sont des guerres qui, presque par essence, opposent un frère à un frère. Souvent littéralement, d'ailleurs, au sein d'une même fratrie, et au moins symboliquement au sein d'un même village. Faire la paix après ça, c'est beaucoup plus difficile que de renvoyer chaque armée chez elle et de signer un traité euh, dans une salle remplie de glace, par exemple. Même si le traité de Versailles euh, n'a pas pour autant permis de mettre fin à la Première Guerre mondiale dont la Seconde Guerre mondiale, à bien des égards, n'est que la deuxième mi-temps. Donc, euh, cette diversité des situations de guerre appelle évidemment une réflexion sur l'extrême diversité des situations de paix. Et là aussi, ça a été dit de manière très intéressante euh, à, quelle mani de, à quel point un certain nombre de situations post-conflit voient, par exemple, des rebonds économiques rapides, saisissants. Extrêmement réussi. La Corée est un exemple remarquable à cet égard, mais aussi le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Alors, bien sûr, grâce à la bienveillance des vainqueurs, grâce aussi à des atouts, euh, y compris de capital humain, euh, qui permettaient aux États de rebondir sur euh, cette situation, mais aussi, bien sûr, une transformation de mentalité. La transformation imaginaire du Japon, avec des difficultés évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, comme d'ailleurs celle de la République fédérale allemande, a été euh, peut-être pas sans précédent dans l'histoire, mais en, en tout cas extrêmement spectaculaire. Alors, je, résume, je résumerai cela euh, par une, une, une des phrases les plus célèbres de la philosophie politique, euh, qui est tirée du Léviathan de Thomas Hobbes, qui en 1651 euh, écrivait, euh, donc 1651, en plein milieu de la guerre civile, Anglaise, donc c'est un livre de réponse à ce que pouvait être la guerre civile pour quelqu'un qui s'était exilé pour y échapper. Il écrivait j'entends par paix non pas la simple absence de combat, mais l'absence de la disposition connue à y recourir. The known disposition thereto, dans l'édition anglaise. Donc, la véritable paix, c'est l'absence de la disposition à entrer en guerre, c'est-à-dire l'absence d'un certain nombre de préconditions qui sont structurelles, qui sont rationnelles, qui sont imaginaires, qui sont affectives ou émotives, et qui définissent une situation comme étant une situation de guerre potentielle. Et ça, c'est un champ évidemment très intéressant de recherche, très interdisciplinaire aussi, où il y a un certain nombre de de travaux passionnants qui ont été faits, par exemple par les gens qui produisent euh, l'indice international de la paix, euh, qui est un, une sorte d'indice multicritère qui cherche à analyser euh, non pas des déterminants, parce que ce ne sont pas des systèmes déterministes, mais des facteurs euh, très divers, euh, économiques, culturels, politiques, euh, climatiques euh, et autres. Qui crée les conditions dans lesquelles une guerre est possible. C'est un peu le même type de relation, si on, si on raisonne en termes de, de compréhension des mécanismes, que la relation entre incendie de forêt et changement climatique. Euh, les études d'attribution montrent très clairement que le changement climatique, par ses différents impacts qui ne sont pas que de température, accroît la probabilité de certains types d'incendies. N'empêche que le facteur déclencheur de la quasi-totalité des grands incendies, c'est la foudre. La foudre elle-même qui peut être liée à des facteurs météorologiques en relation avec le changement climatique, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que le facteur déclencheur n'est pas du même ordre d'analyse que les préconditions structurelles. Et l'importance de comprendre les deux est au cœur de la notion. Elle-même est au cœur de la mission de l'UNESCO, de créer les conditions de la paix. Si on prend l'acte constitutif de l'UNESCO, figure cette phrase souvent citée, qui est gravée sur un monument qui est visible depuis l'avenue de Ségur, si vous y passez, dans le 7e arrondissement. Il est écrit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, il convient d'ériger dans l'esprit des hommes les défenses de la paix. Ça a été écrit en 1945, donc on disait des hommes sans réfléchir. Cela dit, c'est surtout dans l'esprit des hommes naissent quand même les guerres, et pas tellement dans l'esprit des femmes. Donc pour une fois que le vocabulaire sexiste correspond à la réalité de l'analyse, il faut peut-être le signaler. Et précisément, c'est quoi ces conditions de la guerre qui naissent dans l'esprit des hommes Et là, me semble-t-il, le... Les exemples que nous avons des processus de réconciliation après les conflits sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent euh, l'absence de recettes simples pour produire les conditions d'une paix véritable. C'est-à-dire pas simplement un armistice, euh, pas simplement ce silence euh, des armes ou cette fin du combat apparent euh, dont parle Hobbes, mais une paix qui se définit finalement par le fait. Par le fait qu'on ne songerait même plus à combattre. La paix, c'est l'absence de guerre, la véritable paix, selon Hobbes, c'est cette absence de guerre-là, c'est qu'on n'y penserait même pas. Euh, dès qu'on pense à la guerre, elle est, pour certaines situations, une réponse rationnelle. Et ça, les économistes maîtrisent bien justement ces schémas de compréhension de la rationalité du recours à la violence. L'exemple électoral était saisissant et extrêmement intéressant à cet égard. Euh, pourquoi est-ce qu'on le fait Parce que ça marche. La preuve. Mais évidemment, les acteurs en question n'ont pas attendu les big data pour savoir que ça marche. C'était inscrit dans leur connaissance pratique des situations qu'ils avaient à gérer. Le, les, les données quantitatives révèlent une connaissance pratique que les acteurs avaient déjà. Euh, pour que la guerre disparaisse comme possibilité, il faut d'une certaine façon qu'elle devienne impensable. Et on a quelques exemples de ça. On a des exemples de réconciliation nationale, par exemple, euh, qui paraissent avoir créé des situations où l'idée même de reprendre le conflit serait inimaginable. La guerre civile irlandaise, je la prendrai comme exemple parce que je connais, que je connais cet exemple, euh, qui a lieu de 1922 à 1924 et qui oppose euh, ceux qui ont euh, soutenu euh, le traité de partition signé avec le Royaume-Uni et ceux qui s'y opposent, euh, a été à l'échelle d'un petit pays qui sortait d'une guerre d'indépendance, une guerre civile très douloureuse, d'autant qu'elle a vraiment opposé frère à frère au sein des mêmes fratries. Elle a laissé des cicatrices extrêmement profondes dans l'imaginaire, dans l'organisation politique, euh, qui, dans les années 60 encore, euh, était au cœur euh, du fonctionnement du système électoral. Aujourd'hui, c'est fini. Alors, effet de génération, pas tout à fait, parce qu'on sait que les haines peuvent se transmettre très longtemps, bien au-delà de ceux qui ont vécu les conflits. Il n'y a pas de règle selon laquelle les choses se dissipent nécessairement avec le temps. Inversement, bien sûr, on a de nombreux exemples dans le monde de conflits euh, qui sont passés parfois par des schémas formels de réconciliation avec le type de, 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 de mélange, disons, euh, d'amnistie, c'est-à-dire de processus d'oubli et euh, de justice, de processus de punition symbolique avec un dosage subtil entre les deux, euh, pour qu'il y ait assez de punitions pour que chacun comprenne que les deux parties ont été prises au sérieux, et assez d'oubli euh, pour que tout de même, y il y reste des gens pour faire la paix. Il euh, y a un certain nombre d'exemples en Amérique centrale, notamment, de processus inachevés et finalement ratés euh, de réconciliation qui montrent bien l'impossibilité de prendre un modèle. Par exemple, la commission... Euh, Réconciliation et vérité sud-africaine, qui est la plus étudiée de toutes. Il y a une bibliothèque entière de travaux sur son fonctionnement euh, et sur son apparent succès, puisqu'il faut se rappeler, au milieu des années 90, peu nombreux étaient ceux qui auraient parié sur le fait que, 25 ans après, l'Afrique du Sud aurait encore des élections démocratiques. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais c'est un succès extraordinaire, qu'on oublie presque de saluer, tellement il nous est devenu familier aujourd'hui. Euh, dans d'autres pays ça n'a pas marché il y a un certain nombre d'exemples africains ou de telles commissions n'ont abouti à rien alors je, je ne vais pas conclure euh, parce que je n'ai pas de conclusion à apporter qui, qui ajoute énormément à tout ce que vous avez déjà dit, euh, notamment sur les types de politiques euh, qui éliminent des facteurs euh, déclencheurs et ce faisant réduisent la probabilité par exemple les facteurs déclencheurs liés à l'inégalité socio-économique. Euh, les accords de paix en Irlande du Nord n'auraient probablement fon pas fonctionné s'ils avaient été uniquement d'ordre politique. Des accords entre partis euh, garantis par des États tutélaires, Royaume-Uni euh, et République d'Irlande. Ça s'est inscrit aussi dans un contexte de politique sociale très active avec un investissement massif de l'Union européenne au titre des fonds régionaux qui a permis de dissoudre ou de diluer une partie des fondements économiques du conflit euh, dans une prospérité un petit peu artificielle, mais néanmoins plus ou moins pérenne. Et puis après, on a découvert que l'Irlande du Nord se prêtait admirablement à un certain nombre d'opérations cinématographiques, euh, et ils ont notamment euh, profité d'un effet euh, Game of Thrones qui a été remarquablement euh, positif pour l'économie locale. Ce n'est pas anecdotique, c'est beaucoup d'argent dans un, dans un pays de la taille de l'Irlande du Nord. Euh, et vous avez cité à juste titre un certain nombre de dimensions symboliques comme le sport, par exemple. Et euh, on se souviendra, pour ceux qui ont mon âge ou plus, euh, la Coupe du Monde de rugby 1995, la victoire de l'Afrique du Sud qui a donné lieu à cette photo euh, iconique. Où Nelson Mandela, qui porte le maillot de François Pinard, le capitaine des Springboks, lui euh, l'embrasse euh, au, au moment de la victoire finale. Et euh, ce symbole euh, du, président, du premier président d'une Afrique du Sud démocratique, prisonnier politique libéré, embrassant euh, le capitaine euh, de l'équipe nationale dans un sport historiquement bastion de l'apartheid, Évidemment, ça n'est pas pour rien, autant sans doute que la commission vérité et réconciliation dans, les créations des, dans la création des conditions de la paix. Mais, et là c'est un problème pour les Nations unies, nous n'avons pas de recette. Nous avons des exemples et des contre-exemples. Nous avons des pratiques dont on, pense, dont on a toutes les raisons de penser qu'elles sont bonnes. Et nous avons une certaine connaissance de conditions manifestement négatives, dont par exemple l'absence de traitement. Euh, du problème des enfants soldats, euh, qui sont condamnés à re redevenir des adultes soldats si leur réinsertion n'est pas assurée, ou le problème du trafic des armes, ou, comme vous l'avez dit, la concurrence autour des ressources minières, qui sont un facteur majeur de, de conflits armés dans le monde cont euh, contemporain. Mais autant nous savons un certain nombre de choses qu'il faut manifestement traiter, autant nous n'avons pas aujourd'hui, euh, ni au niveau des Nations Unies, ni au niveau de la de développement bilatéral ni au niveau des institutions euh, sécuritaires, euh, coopération militaire ou autre, de recettes qui nous permettraient de dire les conditions déclencheurs d'un conflit catastrophique, on sait les reconnaître, donc on saura intervenir de manière préventive, ou alors euh, faire la paix après un conflit qui nous a échappé, ça on sait faire, euh, on ne pourra peut-être pas tout empêcher, mais au moins on pourra y mettre fin vite et reconstruire. Un monde idéal, un monde où les défenses de la paix seraient érigées dans l'esprit des hommes, au moins la plupart du temps et dans la plupart des endroits, nous en sommes encore loin. Et je me réjouis de l'apport possible de l'économie à la meilleure compréhension de toutes ces conditions, préconditions et possibilités d'une paix véritable. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, il y a une complémentarité entre... Votre expression au titre d'une agence des Nations unies dont la vocation à aider à la paix est, est, est manifeste et les travaux de chercheurs qui essayent de vérifier des hypothèses pour s'assurer de certains mécanismes et sur lesquels on peut éventuellement agir, mais évidemment avec la modestie qu'il y a derrière ce, ce travail. J'ai reçu beaucoup de questions, mais peut-être que qu'Ancelia, toi qui as pensé cette session, il y en a que tu voudrais poser. À... Alors, je laisserai les questions peut-être après, peut-être un mot de conclusion. Donc merci pour, pour ces présentations. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès en économie sur l'analyse des conflits, l'analyse de la, de la reconstruction. Il y a encore aussi beaucoup de questions. On le voit. Euh, la difficulté, c'est aussi qu'on est dans un monde très incertain quand on travaille sur la guerre, encore plus incertain que, que, que les situations sans conflit. La question qui se pose, c'est est-ce que finalement on a les bonnes grilles d'analyse euh, Comment les adapter à chaque situation, à chaque conflit Et puis, il y, y a la question de l'apport des autres sens sociaux aussi, je pense, dans l'analyse de, de ces conflits, de ces, de ces périodes de réconciliation aussi post-conflit. Et, et clairement, ça montre que... Ce que je retiens, c'est qu'on peut avoir des analyses statistiques, etc. Mais on ne peut pas avancer juste avec l'économie. Il faut aussi discuter avec les autres sciences sociales euh, au sens large pour arriver à comprendre, pour, pour tirer des, des leçons et, et, et progresser dans la résolution et la, des conflits actuels, la reconstruction des pays qui ont été en, en, en conflit et puis essayer de prévenir aussi les, les conflits futurs. Qui auront des déterminants qui seront nouveaux, changement climatique, etc. Et, et essayer d'arriver vers un monde plus plus en paix, plus plus apaisé. Voilà. Donc je merci. Ce que faisant, tu, tu réponds en partie à certaines des questions qui étaient qui étaient posées sans sans, sans le savoir. Donc bravo, notamment sur les rapports entre l'économie et les autres sciences sociales. Il euh, y a une question sur laquelle peut-être certains d'entre vous voudraient réagir. C'est peut-on assister aujourd'hui peut -on envisager une reconversion des outils développés au service des intérêts militaires au service de la paix Est-ce qu'on peut Est-ce qu'il y a des choses qui sont développées pour la guerre mais qui finalement peuvent être réemployées pour la paix euh, Je ne sais pas si c'est des savoirs, si c'est des outils, si c'est des infrastructures, etc. L'un ou l'autre Oui, sans réserve, euh, parce que ce ne sont pas des outils spécifiques. Mais par exemple. Dans l'action humanitaire, le, les défis les plus difficiles sur le plan technique sont des défis logistiques. Et les gens au monde qui maîtrisent le mieux la logistique, ce sont les militaires. Le savoir-faire logistique en conditions d'opération difficiles est un savoir-faire indispensable pour l'humanitaire, indispensable pour les militaires. Et au niveau strictement technique, en fait, c'est exactement le même savoir-faire. Et d'ailleurs, dans les opérations humanitaires, on retrouve souvent des institutions militaires qui interviennent à titre non militaire en appui logistique. Deuxième domaine, bien connu aussi, c'est tout ce qui est technologie de surveillance. Comment est-ce que nous savons, par exemple, que les populations de tigres en Sibérie ont rebondi depuis dix ans Par des traçages satellites. C'est-à-dire que c'est en mettant des puces GPS dans les tigres, dans un certain nombre d'entre eux, qu'on arrive à les suivre. Et c'est grâce à des satellites dont toute la technologie a été développée à des fins principalement militaires, qui permet le suivi des populations de tigres. Comment est-ce qu'on peut suivre les phénomènes de déforestation Y compris d'ailleurs pour mettre en place des sanctions pénales contre ceux qui sont à l'origine des processus, par des technologies qui à la base sont militaires. Donc il y a beaucoup euh, d'interpénétration à, à partir de, de, de cette idée selon laquelle le, le, les institutions militaires maîtrisent un certain nombre de moyens de traitement de l'information et un certain nombre de moyens de transport des choses, disons, pour aller vite, euh, qui sont totalement multi-usages. Oliver ou euh, François Oh non, je suis complètement d'accord, je travaille sur la déforestation aussi. D'accord. Oh, Il euh, y a quelqu'un qui a été sensible à, au plaidoyer pour les données, euh, puisqu'il me demande comment faire pour euh, obliger les gouvernements ou les armées à fournir leurs données. Alors je ne sais pas qui a une idée là-dessus. Euh, je ne sais pas s'il faut mobiliser l'UNESCO, mais je, je crois que ça ne suffise pas. Non Une réaction Certainement pas les mieux placés pour <laughs> gérer ce dossier-là, je pense. Non, mais je, je, je pense que ce qui est important là, c'est de, de vraiment euh, convaincre les, les, les acteurs de, de, de l'intérêt de ce, ce, ce type d'analyse. Euh, ce qui est marquant, c'est que, dans, 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 comme, comme John Crowley l'a dit, il y a des, des, des technologies euh, à la pointe qui sont développées. Euh, pour des raisons militaires qui, qui, qui sont des de, 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 de technologies les plus complexes qu'on peut imaginer. Et en même temps, euh, l'analyse statistique dont, dont j'ai donné un exemple est plutôt rare même au rang et, euh, et, et au sein de l'armée. Ils, 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 ils n'ont pas vraiment la culture d'utiliser les, les données de, de, de la même façon dont on l'utilise comme des, 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 des économistes ou des, des politologues. Et donc, je pense que, que, que là, l'important, c'est vraiment de, de, de donner des exemples, comme, comme j'ai essayé de faire aujourd'hui, pour, pour convaincre les. les tu les, risques d'aboutir à il y a deux solutions. Il y a deux issues possibles à ce que tu viens de, de dire. La première, c'est que l'armée embauche des économistes pour exploiter au mieux des données secrètes et gagner ses guerres grâce à ça. L'autre solution, c'est qu'elle donne ces données à tout le monde de manière à ce que on voit comment se mettre d'accord et éviter les guerres. Oui, je pense qu'il qu y a une question très, très, très intéressante dont, 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 ce, à laquelle je n'ai pas la, la, la réponse. C'est la question si vraiment, avec ces études, est-ce qu'on avance la paix ou pas Est-ce qu'avec une connaissance plus grande qui est dans le domaine public, euh, on, on avance la, 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 la paix euh, C'est une question très, très difficile à, à, à répondre. C'est une des grandes questions. Effectivement, les chercheurs en sciences sociales et en économie euh, espèrent qu'ils contribuent euh, au bien-être en général et à la paix euh, en particulier euh, par euh, la transparence du débat, euh, habituer les gens à discuter plutôt qu'à se battre. Mais euh, évidemment, nous ne sommes pas certains que ce soit toujours le cas. Je crois qu'il faut que nous nous arrêtions. Donc euh, je vous remercie euh, tous les quatre. Euh, Merci euh, Raleigh, -Célia, Didier. Euh, François Merci. Lebois et, euh, et, Libois, pardon, et Oliver pardon, Olivier Van der pour euh, cette, euh, cette passionnante discussion. Merci à vous. Merci.